Et nous sommes de retour, il fait très beau. C'est quoi ça exactement? Il y a plein d'éclairs. Intéressant. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, Non, dis-le-moi. rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Lâche-moi, lâche-moi. On est reparti dans notre aventure dans Phoenix. Donc on va devoir regarder un peu. J'ai vu un coffre juste en contre. Ouais, j'ai vu ça directement quand je me suis approché de la falaise. C'est juste là. Let's go! Par contre, on va pas avoir assez d'endurance. Free falling! Nickel. Nickel, nickel, j'adore ce jeu. Je vais le dire, je vais être honnête, j'adore ce jeu, ça y est. Il est juste les déplacements et tout ça, tout est cool en fait. Est-ce qu'on peut les one-shot avec une flèche d'Apollon? 127, on peut. Amélioration de potions disponible. Ok, ça marche. Tiens. Oh putain. Attends, si je fais ça. Ouais, d'accord. Non, ça tourne pas assez. Hop là. Très bien. On va peut-être laisser le... les aides. Alors, après, je sais pas si les aides et le didacticiel sont séparés en deux. Parce que c'est vrai que les aides, ça peut nous rappeler quand on a assez de potions, genre d'aller faire des potions, quoi. Enfin, quand on a assez d'objets, d'aller faire des potions. Donc, je sais pas. Excusez-moi, j'ai mon téléphone allumé. Commande gameplay. HUD. Objectif de quête célébration. C'est quoi ça? Ah, pour dire vous avez tué un truc et tout ça. Butin, boussole, panneau de message, message crucial. Panneau de message. Ah, c'est ça, panneau de message. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on le laisse? Bon, pour l'instant, on va peut-être tout laisser. Ouais, pour l'instant, on va peut-être tout laisser. Il n'y a rien qui m'embête vraiment. Peut-être le réticule de... Non, non, ça va. Non, réticule de visée, oui, c'est bien comme ça. Non, 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 on va rien bouger pour le moment. Non. Merci. On a une torchère ici. Torchière. Torchière? Torchère? Non, je voudrais pas qu'il me voie. Enfin, après, on s'en fout, même s'il me voit, on est de l'autre côté. Rocher. Non. Tiens, 300. Ah, pute! On a eu. Je me rappelle plus comment combat, ok. J'ai eu un doute sur mes touches. On va se mettre à fond en vie. Non, voilà. C'est pas la bonne touche. Putain, j'ai utilisé une potion, bordel de merde. D'accord, j'ai loupé. Désolé, je vais lui faire une petite pause. Il m'a dérangé. Je fais de la merde.
Attends, pourquoi tu... J'ai l'impression que c'est moi qui en fait t'appuie mal. J'ai dû utiliser deux potions pour rien, c'est cool. C'est pas moi qui appuie mal, c'est... Ouais, non, mais c'est la manette qui doit être un peu fatiguée. Faut qu'on retape le... Ah ouais. Ça. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a sa vie ou pas? Ah oui, c'est vrai qu'on a le cheval comme ça. Oh, ça... Désolé, j'ai fait une petite pause et du coup, je sais plus comment on joue. Non, ok, il a pas à régène, ça va. Très bien, on va changer d'équipement. Je peux l'attraper celui-là ou pas? Parfait. Ok, vas-y. C'est reparti. Je me demande si tout à l'heure il avait balancé un truc que je pouvais pas rattraper. Alors je me demande si j'étais peut-être mal placé ou alors parce que c'était trop gros. Je sais pas. Je ne sais point. Je crois que j'ai juste loupé mon attrape en fait. Bon, ça m'embête d'avoir utilisé deux potions pour rien. Ça m'embête un tout petit peu. 75 de vitesse de charge à l'arc dans les airs. Ouais, non. Enfin, c'est stylé, mais non. Après, on pourrait changer le skin. Est-ce qu'on veut changer le skin? À la limite, on peut peut-être changer le skin des armes un peu. Enfin, je voudrais bien que les deux, elles aient le même skin, en fait. Donc, pour le moment, on va rien changer. Désolé. Je suis pas très fan de changer les skins des armes, honnêtement. J'ai jamais été très fan de ça. On peut viser à l'arc ou pas? Non, on peut pas. Non, on va prendre le cheval un peu plus souvent parce que du coup ça nous permet de récupérer les plantes et tout ça directement. Pas chargé, c'est de la merde. Désolé. Ça m'arrive. On va devoir sauter. Je fais de l'esquive parce que je pensais que c'était le bouton d'attaque. Oh putain, quel con. Ouais, non, c'est ma... Putain, c'est ma... La manette qui merde. Ouais. Je fais de la merde. Oh mon dieu. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une armée? Ok, une armée.
Très bien. Merde. Nickel. Attends, pendant que je suis encore boosté à la potion, ça devrait faire mal. 450 à peine. Je pensais que ça allait faire plus. Un peu bourrin, mais faut que je refasse mes potions et tout ça là. Donc ça, on va faire ça, tiens. Ah ça m'énerve le problème de la manette là. Alors entre fardeau d'Atlas, ça marche. Ah putain! Ah! Bah super. Je fais de la merde en bas. Ça c'est une boule qui vole. Ah, ça m'énerve le coup des potions. Désolé, je vais être frustré pendant au moins 20 minutes, c'est bien. Ah, me dis pas que tu veux que j'amène... Oh là là, tu veux que je l'amène ici. Ça devrait le faire. Ah. Ok, maintenant je reprends celle-là. Je crois que je commence à comprendre la mécanique. Ou elle est trop lourde celle-là. Oh, merde. Faut les inverser. Putain. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs. Des coffres. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ah, là-bas. Ok. Aïe, aïe, aïe. Bon, maintenant on a pris l'existence des boules qui flottent.
plus que 3 potions, j'espère qu'il n'y aura pas de boss. On ira se récupérer toutes les potions. C'est con, on a utilisé des objets pour rien. Bon. C'est comme ça. Okay, parfait. Il y a quoi d'autre? Vraiment jouer avec les deux quoi. C'est un peu long. On peut la lâcher. Sans déconner, faut que je refasse tout. Enfin, tout. Une grande partie, quoi. Mon dieu, mon dieu. Je peux pas la tirer. C'est peut-être mieux comme ça. Bon, apparemment la la boule ça va, mais moi non. Ah, là on a une autre boule j'imagine. Ok, on va récupérer celle-là. Vite, vite, vite. Devant. C'est bien de jouer avec des boules. On s'amuse. Là-bas. Ok, on ira d'abord au coffre. Que ça devrait être bon. Doucement. On peut pas. Oh, j'avais pas vu qu'on pouvait tomber en piqué en fait. Je sais pas, on bouge à ça. Voilà. Apparemment, on peut tomber en piqué aussi. Attends, il y a écrit pique. Piqué, maintenir B. Ok, j'avais pas fait gaffe, j'ai jamais fait gaffe. Attends, j'ai compris comment on prenait les vents ascendants là. C'est vrai que je l'ai jamais fait en plus. Euh...
Attends, ça fait quoi là? Attends, le problème c'est qu'il y a ça là. Il faut une boule qui vole. Celle-là est trop lourde, on est d'accord. Donc il faut que je fasse venir l'autre. Comment je fais? L'autre elle est bloquée. Ah, j'en sais rien en fait, on va voir. Ah ça, ça va peut-être activer les vents là. Ouais, c'est bon. Mais bien. Nickel. Nickel. Ok, mais attends, je sais pas exactement comment on fait pour prendre les trucs. Comme ça. Ok. Ok, c'est bon. C'est avec Ah, d'accord, ça marche. Ah, quand on sait pas les, quand on connaît pas encore bien les touches, hein, c'est la merde. Enfin, quelle touche appuyer? Envie du géant à un œil. Ok, on est en deuxième partie. Ah, oh, c'est quoi ça? Ah, les bénédictions. Attends. Géant à un œil, mais on a ça. Ah, d'accord. Bâtisseur au sein du soleil qui produit les cyclopes. Et là, on a maintenant. Quand un cyclope aperçoit un objet brillant, il ne tarde. Ok, c'est juste du skin en fait. Ouais, bof, c'est nul. C'est nul. Ok. Hop là. Voilà, doucement la boule. Piqué en plus, on s'écrase pas vraiment par terre, on peut directement descendre quoi en gros. Donc ça serait bien quand on aura plus de genre d'endurance. Ça nous permettra de directement descendre et pas de s'écraser. Très bien. Nickelo. Nickelo. Alors maintenant. On a une ambroisie pas loin. C'est
celle-là que j'ai vue? Je sais pas. J'arrive, hein. Qu'est-ce que ça fait mal? Non, j'ai ma touche qui merde un peu. Tout à l'heure, ça ne me faisait pas. Ça a l'air d'être mieux. Ouais, peut-être un peu de poussière. Juste un peu de poussière. C'est quoi ça? Puzzle? Là, je vais toucher le sol, non? Enfin, je vais toucher le... Non, c'est bon. Nickel. Ah, mais il y a un truc plus gros à côté. Oh. Cool. J'ai plus de cailloux à lancer en fait. C'est pas ça que je vais faire. Non, oh, il m'a vu. Faut des cailloux. C'est tombé sur lui. Je voulais balancer ce caillou sur lui. Nickel. Non, non, non. C'est quoi, c'est deux coups? Ouais. Belle esquive. Ah, je suis en train de me demander si autour de ma barre de vie là, est-ce que c'est pas le buff de l'armure que j'ai? Il y a des décorations en fait, toutes en doré. Je suis en train de me demander. Ou alors ma barre de vie elle est toujours comme ça? Je vois. Ouais, non, elle est toujours comme ça. Je sais pas, je m'imagine des choses.
Pourquoi on peut pas bouger celui-là? Ah, ok. Il y a un truc à mettre dessus, ça marche. Ah, c'est con, j'avais des cailloux. Oh. Cool. J'avais des cailloux à l'extérieur. Où est-ce que je suis? Je suis revenu. Ah. Ok. Ça fera l'affaire. Ça fera trop l'affaire, mais ça va. Comment ça marche? Ça va être fun. Ok, attends. Je vais y arriver. Hein. Enfin, je suis pas sûr que je vais y arriver en fait. Ah non, c'est bon. Oh la vache. Ça va, j'ai pas du tout coupé la vidéo. Faites pas attention, j'ai eu zéro coupure parce que j'y suis arrivé en fait extrêmement... Phénix admira les narcisses en fleurs. Dernier vestige de l'amour maudit d'un homme pour son image. Reflété dans une source. Comment ça peut être une malédiction, ça? Tout le monde le fait. Là d'ailleurs, je m'admire dans tes chaînes. Bravo le narcissisme. Non, j'ai zéro coupure. Alors, fais voir un peu la carte. On peut aller refaire des potions juste là. On n'a pas vraiment besoin encore. Coffre épique. Mètres. Taisez-vous. Nickel. Cent 50 mètres, t'es où? Ok, t'es là. Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien du tout. 120 mètres. On va au coffre. Ok.
fait le puzzle. Ça c'est quoi ça? C'est des brasiers à activer. Ok, ça doit être en haut. Je me demande si c'est ça, on peut pas le détruire, j'en sais rien. Ah putain, t'as pas esquivé. Bien joué. Je vois rien. Putain de merde. Tu peux te détacher? Merci. Je l'ai eu ou pas? Putain de caméra quoi. Allez, venez les mecs. Ah, nickel. Esquive de merde. J'avoue que l'habilité là pour faire attirer les ennemis vers moi, ça serait pas mal. Coincé, puis faire un saut d'éloignement, puis effectuer un double saut pour continuer à grimper. Ouais, non, ça va. Pas besoin de conseils comme ça. On est à 99. Je me demande si c'est pas le maximum. Ok, cool. Ok, on peut pas tous les faire en une fois. Faut que je reste appuyé jusqu'au bout. Ah, mais on est chronométré. Est-ce que je peux en activer plusieurs à la fois? Fais voir. D'accord, non, ça marche pas. Oh, il y a un ordre. Merde. Ah, ça doit être ça. Donc attends, c'est les deux en face. 3 et une là comme ça. Bon, attends, ouais, mais du coup c'est parallèle ou c'est inversé? On va voir. Ok, ça marche. Et du coup, c'est celle-là. Celle-là qui est cachée, là, qu'on voit pas. Ça. Nickel. Ah,
Eh ben. Ouh, blastron, progéniture de typhon. Ça, c'est un nouvel équipement par contre. Alors, 15% de probabilité d'énergie gagnée triplée par coup porté. 15% de probabilité d'énergie gagnée triplée. 10% de probabilité d'obtenir plus 12 supplémentaires à la jauge de combo pour coup porté. La jauge de combo, j'ai jamais fait attention, mais je crois que plus on en fait, plus nos dégâts augmentent. Donc, du coup, ouais, c'est vachement bien. Ça peut être pas mal de l'énergie en plus. Faut voir. Faut qu'on teste, voir si ça vaut le coup ou pas en fait. Ok, là il y a un truc. D'abord. Coffre. Attends. Il n'y a pas un coffre ? mètres. Bon, on verra ça après. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je crois qu'il faut que j'aille en haut là. Là-bas, la lumière là. C'est bon. Yes. Ça marche. C'était limite, hein. C'est quoi ce bruit? Mon invention fonctionne. Ici, Dédale. Roi Kokalos, mon bienfaiteur. C'est une radio? Écoute néanmoins, je t'en prie, mon histoire. Ces énigmes te guideront à mon atelier. D'ici à ce que tu me rejoignes, puisse-t-elle aussi guider ta compréhension? Je n'ai pas eu le choix, mon roi. Non, on n'est pas limité à 99. Là-bas, texte jaune. Ok. Ici. Merde, trop. Nickel. Tant qu'on y est, on va la prendre directement. Pas parce qu'il va y avoir combat du coup. Mon Dieu, le truc est méga loin. Fait chier l'autre qui arrête pas de tirer. Ah.
Putain. Merci, cool. Saloperie. Toi, tu m'as gavé. Toi bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? On s'est pas fait one shot et on a ressuscité quand même. Mais enfin non, je sais pas comment ressusciter. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Enfin, je sais même pas si on peut ressusciter en fait. M'inquiète, m'inquiète de ce qui vient de se passer. Je sais pas, c'était bizarre. Nickel. Ça m'étonnerait quand même que ce soit sur one shot. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? 9, oui d'accord, 900 mètres, d'accord, c'est vrai. On a la harpe ici, on peut aller refaire des potions comme j'avais dit. On peut peut-être aller sur ce côté-là de la berge. Ouais, du coup on peut passer par là. On a pas mal d'objets. Ah, on a que 3, pardon. Par contre, les armes. Ah, attendez. Nickel. Nickel. Très bien. Alors là, on va pas pouvoir. Il nous faut, ouais, il nous faut encore du violet. Est-ce que ça... Ah, par contre, on peut faire ça. 10 potions. Oui, bah oui, go. 10 potions, honnêtement, oui. Les armures. Est-ce qu'on commence à faire les armures? Je dirais pas non. Je sais pas si c'est vraiment utile, l'énergie. Ça prend des trucs bleus, ouais. J'aime beaucoup la hache, moi, en fait. Parce que le coup d'étourdissement est quand même super... On y va un peu à la mode bourrin, là, j'ai envie de dire. Genre le one shot, le gros coup de hache. C'est très, ouais, c'est très très bourrin. Enfin, c'est très... Ouais, non, c'est très one shot, en fait, j'ai envie de dire. C'est très basé sur le one shot. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que ce sera, Phoenix? J'ai rien du tout.
Yes. Nickel. Alors... on en a 6. Nous consommons 5 points de fragments de santé en cas d'atteinte. Genre, les potions de force deviendraient aussi peut-être des potions de vie. Enfin, un peu, quoi. Moi, je dis pas non. C'est quoi ça? 6 à chaque fois? D'accord. Là, c'est 5. Là, c'est 6 aussi. Il va falloir faire attention. Les violets. Non, les violets, on en a pas mal. Ça va. Les violets, on en a pas mal. C'était quoi ça déjà? Ah oui, les habilités. Alors, faut voir si on peut... alors, j'avais vu ça. Pas mal d'étourdissements. Ouais, on avait dit qu'on voulait se concentrer sur le lancer de cailloux. Ouais, tout ce qui était lancer d'objets, en fait. On va dire que pour l'instant, les attaques d'armes et tout, on les laisse de côté. Après, oui, des trucs comme ça, ça pourrait être vachement bien, hein, je suis d'accord. Mais pour l'instant, on va laisser ça de côté. On va débloquer ça. Ouais. Il nous en faut que 4. Très bien. Et je crois que ça j'en ai pas assez. Oui, hein. Ok, ça marche. On verra l'armure si c'est vraiment efficace là, le triple. Énergie gagnée triplée. Encore une fois, hein, je suis pas sûr que ça soit vraiment utile. On a dit que. Ah oui, on a ce côté là. On a dit qu'on voulait se concentrer sur cet endroit-là. Alors, c'est... ouais, mon marqueur est là-bas. Ok, il y a plein de trucs encore. À 400 mètres, 500 mètres. On va faire ça. Il y a une grosse bestiole. Tu fais quoi? On fait une potion? ...2480, ça va? Par ici. Tiens, ça prend. Ok, d'accord. Faut bien le tuer. Non mais...
On a des cailloux ou pas? J'ai pas trop compris encore le tir rapide. Ouais, ça marche pas des... Enfin, je sais pas. Ça va, c'est pas du tout abusé nos dégâts, c'est bien. Ça me fait plaisir. Ça me consolide dans mon choix. Ça me consolide complètement dans les choix que je fais. C'est bien. Ce serait bien que la vie soit pareille. Alors, 30% de dégâts pendant 6 secondes pendant l'ordre d'une esquive parfaite. Ouais, mais ça aussi, on va pas le faire. Combo épée de santé complète. À quoi que ça peut arriver. Pour aller le dégât de triple avec combo aérien. Ça, j'ai peut-être envie de la tester. Qu'on se concentre un peu sur faire des combos aériens. Teste un peu. Par contre, on tombe très vite en fait. Faut vraiment toucher la cible. Donc, faut bien esquiver et bien toucher la cible. Oui, par contre, c'est quoi que je voulais regarder moi? Oui, le lancer rapide là. Alors, attends. J'ai pas trop compris. Consommation, un fragment d'énergie afin de lancer automatiquement des objets transportés sur un ennemi désigné. Ah mais ça lock automatiquement en fait, c'est ça que tu veux me dire? Tout simplement. Peut-être. C'est pas les mêmes chevaux du coup. Ça. Ah du coup, super. Ah regardez en dessous de ma vie, j'ai un truc maintenant. C'est Pia. Mais c'est quoi ce que j'ai en dessous de ma vie là? Je capte rien. Alors, fais voir. Bénédiction. Non. Je te bais ou quoi? Non, mais je dois être teubé en fait. On a un truc sous ma vie, une barre là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Une jauge. On a un géant. Pourquoi vous me faites chier, vous là? Merde, il arrive l'autre.
c'est quand il brille. Je crois que ça fait une sorte de ciblage auto. Je pense. Ah mais j'ai une Majoskis. Non ouais j'ai ma jauge qui s'augmente là, c'est quoi? Ah c'est pas la bénédiction de la déesse là que j'ai libérée. Vas-y, balance-moi des trucs. Du lourd. Est-ce qu'on peut mettre un cheval? Faut un gros caillou quoi. Lancer rapide, lancer chargé, lancer, RB, RT. Ah ! Ah, je fais peut-être la mauvaise touche en fait. Casque tempétueux du vautour. Fais-moi rêver. 22% de dégâts dans les airs. Il est stylé en plus. Dans les airs, donc ça veut dire quoi? Il faut que je saute pour et je tape ou alors c'est tout ce qui est dans les airs en fait. J'imagine que ouais, ces attaques-là, elles font plus de dégâts. Ça peut être pas mal. Ça peut être vachement intéressant. Alors, attends. RT, RT, RP. Ah, ok, ça va, j'ai compris. Merde. C'est ça, le lancer rapide, en fait. Ça c'est le lancer normal, il est un peu plus lent. Et c'est le lancer super rapide, d'accord. Après je me demande si ça fait plus de dégâts ou pas, si ça fait moins de dégâts que le lancer chargé. D'accord, on a compris maintenant. Putain, on a tellement plein de trucs à apprendre. Enfin, non, de trucs à retenir. Moi ça me... Moi il y a trop de choses quoi. Il nous faut une interface neuronale en fait, faut plus des manettes. Je serais tellement content si on pouvait avoir une technologie comme ça. Attends, il y a des bestioles ou pas? Ouais. Je kifferais moi d'avoir une... Genre que mon cerveau dicte ce que mon perso doit faire. Ça irait beaucoup plus vite. Ah!
Hop là, ouais, ça c'est le lancer rapide. Ouais, dès qu'il clignote en fait, j'ai pas besoin de viser. Dès qu'il est... Je vais dans sa direction, ça passe. Merde. Bah. Ah. Mince. Vas-y, ramasse un truc. Non ? Pas mal. Ouh, bonne esquive. 673. Ok. Donc, on va dire que c'est sympa. Le dégât triplé en combo aérien. On valide. Oh, j'avais aussi le bonus de dégâts, je crois, parce que j'ai fait une bonne attaque. C'est pour ça qu'on a fait énormément de dégâts. C'est pour ça. Je suis sûr. Bon, allez, on valide nos armes pour le moment. L'esquive qui booste les dégâts et l'attaque triplée. C'est pour soigner. Ah, boss. Oh, oh, ça m'a fait peur ce con. J'aurais pas dû faire ça. On enlève l'arme, le casque, ça sert à rien. Alors attends, du coup, faut qu'on mette ça. Ça. Ouais, ouais, pour le combat, c'est mieux ça, du coup, je dirais. Enfin, j'en sais rien en fait. Bah voilà, c'était bien. Tombe! Oh, wow. Putain le con. Quasiment aucun dégât. J'aurais dû sauter et taper. Ah, on a utilisé des potions un peu tard. Fais voir ça, ça active quoi en fait? Du feu? Oh!
pas assez esquivé. Nickel. Ah ouais, on récupère de la vie quand on tape. Merde. Ok, belle esquive. Ça va, on fait des bons dégâts. Ok, nickel. Ah, du coup, c'est un... Ok, c'est un deuxième combat, ce qu'on a fait. Ça marche. Bon, on a une sorte de bénédiction, je sais toujours pas ce que c'est. Fragment fondu. Ah mais non, mais j'aurais pu me soigner avec le... Ah, le truc au début. Au tout début. Ça va, j'aime bien ce casque. 44% de dégâts maintenant. Pendant 6 secondes. Ça c'était cool. Du coup, comment on check si on a tout fait? Attendez, c'était quoi? Non, bénédiction, aptitude. Ah voilà, c'est ça. Faut aller sur la carte en fait. Donc ouais, on a le coffre et on va avoir la foudre. Faut prendre l'habitude de regarder ça. Nickel. Examine le site de l'accident. Je regarde s'il n'y a pas des coffres autour. Oh! Un cheval violet. Merde. C'est une licorne. Non mais ça cache pas ça en fait. Regarde, je suis gentil. Ok. On va essayer de la prendre quand même. Oh putain de merde. T'as l'air bien, bien relou toi.
Je me demande s'il faudrait pas s'envoler en fait. Pour pas qu'elle nous voie et lui tomber dessus. Nickel. Bon bah notre potion là de dégâts, là, on va continuer à ça. On va continuer à l'augmenter en fait. Vu que ça remet des HP et tout ça. Putain mais t'es sans déconner quoi. Pas un endroit où on peut se cacher. Ah là. Je vais attendre un petit peu. Par contre, ça c'est... C'est embêtant ça. Est-ce qu'on peut pas enlever la caméra qui saute au centre là? Gameplay peut-être? Aide à la visée par défaut, mode photo, suivi de caméra. Permet d'amener la caméra à suivre le personnage principal en modifiant automatiquement les angles de rotation. Tu vois, non ? Ouais, c'est bon, c'est ça. Bon, je crois qu'elle nous a vus. Comment tu veux lui foncer dessus? Tu veux que je la tape ou quoi? C'est tellement bien de ramasser automatiquement. Qu'est-ce que c'est bien! Là, elle nous a pas vu. Ah! Putain, se retourne le truc. Je vais attendre qu'elle passe à côté. Ça me rend fou. Comment attraper une licorne? Non, mais là, elle nous a vu, là, en fait. Là, normalement, on est caché. Ah! Vas-y, passe à côté, s'il te plaît, je t'en supplie. Putain, elle va où? J'ai trop l'impression qu'elle nous détecte automatiquement en fait. Oh, super. Si j'avance doucement, est-ce que elle aurait moins peur? D'accord. Bon, tu m'as gavé, c'est bon, on va aller où? Allez là-bas, parce que ça commence à me sauver. Je recommencerai après, je couperai la vidéo. Ça durerait 3 ans. C'est où l'endroit de l'incident? Juste là. Ah! Orbe d'énergie. Pour écrire un standard d'énergie, collecter les orbes d'énergie. Pour atteindre leur durée, ils emploient les plus souvent. Collectez-les en utilisant. Pouvoir divin dont vous disposez encore en requis pour mener à bien. Quoi? Ah! Ok, d'accord, on peut pas. Ah si. Écoutez les autres objets.
ça nous... Pour nous, ça nous fait rien parce qu'on n'a pas le pouvoir, il disait. Ouais, ça sera bon plus tard. Putain, casse les burnes, ce truc-là. Tiens, monte, monte dessus, monte dessus. Je peux la taper quand même. Bon, on se casse. Désolé, c'était pas très très super. Cloche, décoration étrange, mystérieuse, son qui produit est différent de tout ce que Phoenix a pu entendre. Une fois réassemblés, ces fragments fondus peuvent constituer une puissante armure pour composer une nouvelle armure menée à bien toutes les tâches héroïques et la crypte tartare du tableau. Tâche d'Hermès. D'accord, ça marche. Ça, on l'a fait. On peut peut-être faire cette partie-là. C'est quoi ça? Rejoindre le portail dans l'Olympe. On peut se téléporter quelque part. Déplacement rapide. Là, on revient dans la zone du début. Hein, voir si on peut pas la faire à 100% maintenant. Après, on n'a pas vraiment trop d'énergie en plus. On en a juste une barre. Donc, je crois pas que ça soit suffisant, perso. Mais... Bon, on a des ailes et tout maintenant. Putain, c'est loin. Il y a un dragon. Tiens, ta gueule. Boum. Bon. Ah mais c'est quoi ça? Ah, c'est un truc à trois têtes. Enfin, c'est pas un Cerbère, mais c'est une Chimera. Une Chimera, c'est ça, je crois. C'est une Chimera. Une chimère, quoi. Ça va faire mal. 1900. Hop là. Bon, c'était rapide. Bon, c'est over préparé encore une fois, c'est bien. Du coup, la chimère, ça servait pas à grand chose. Servait pas à grand chose, la chimère. Un coffre ou quoi? Capacité disponible, ça marche. Ouais, on va peut-être le garder, ce système là de
qui nous disent qu'on a des améliorations à faire. On va y arriver petit à petit. Ah, je crois qu'il faut dormir. Enfin, se reposer. Coffre nocturne, on doit bien garder uniquement accessible de nuit. Ça marche. Après, est-ce que des monstres vont apparaître en même temps? Je sais pas. Oh. Ah oui. Oh, oui. Non mon dieu, c'est quoi ce truc? Tout va bien. Qu'on fait très très mal. Ok, très bien. Ok, c'est bon, on est bon. Putain, mais d'où tu me touches, toi? Nickel. Honnêtement, c'est grâce à nos potions. Parce qu'on faisait extrêmement, extrêmement mal. Genre, on faisait des coups à 200, 300 et tout ça en AOE. Qui défonçaient aussi leur, leur barre d'étourdissement. Ah, c'était... Oui, non, c'était super violent, en fait. C'était extrêmement violent. Du coup, on a gagné ça. Fragments d'ennemis, une fois rassemblés, les fragments d'ennemis peuvent constituer une formidable armure. D'accord, ok. Attends. Faire défiler coffre nocturne. Ok, ça c'est moi. Ok, on va aller là. Je veux qu'il y a une sorte de truc volant. Ça doit être ça, ouais. Je sais pas si le coup de la... de tripler l'énergie, ça nous a aidé. Ah putain, il y a des ennemis encore. Oh mon dieu, pourquoi il est d'une couleur? Mais prends!
Ok, on a été one shot quoi. Ok. Ok, donc on se fait bien one shot en fait. Ça marche, donc il nous faut ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ok, cool. Je crois qu'on n'a pas le niveau. Non mais t'es sérieux, le truc il fait que esquiver quoi. Attends. Oh mon dieu, ok. Oh. Le casque des gars aériens. Des gars dans les airs. Ça on le garde parce que ça nous fait trop mal. Je crois qu'il nous faudrait des attaques aériennes. Putain de ta mère quoi. Que je sois mieux en esquive. Pas mal. Bon, avec la hache et la potion, ça peut y aller. Dès qu'on a plus la potion. J'aurais dû faire un double saut, même s'il était proche. Ah, attendez, j'ai le nez qui me gratte. Oh là là, mauvais moment. Oh, mais bon. Putain de merde. J'ai bien fait de pop la potion à ce moment-là quoi. Tu mets derrière. Bien. Ouh, bien, bien, bien. Merde. Ouh. Eh ben. Ouais, ça va, vu qu'on a un peu d'équipement. Coup de vent.
Vu qu'on a un peu d'équipement et on a des bonnes potions et tout ça, genre bon, les dégâts quand même à 100%, enfin plus de 100%, c'est quand même bien. Donc on a très très bien fait, le coup d'avoir utilisé ça aussi, ça s'est très très bien goupillé. Et la hache tempête. Alors, avec les trois premières flèches. Ah, pas mal ça. Très très bien. Le monde tremble. Tu as besoin de moi. Ok. Récupérer trois offrandes. Ça, je sais pas si on a assez de... Oh putain, il y a un coffre là. Je sais pas si on a assez de d'endurance pour le faire. Je dirais que non. Vu ce que c'était, je dirais que non. La dernière fois. C'est trop bizarre le coffre. Je sais pas où il est. J'ai l'impression qu'il est dans... Ah, oh, il doit être encore dans la paroi. Oh là, il est en dessous en fait. Faut que je fasse attention à mon endurance. Là peut-être. J'ai zéro idée. J'ai zéro idée d'où il peut être. Ça m'embête ça. Ah, par contre on a ça. Pas très très loin. Mètres. Mais c'est en haut. Oh mon dieu. Ça par contre c'est un peu le problème. Hein. Est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en bas? Ça va me faire chier. Je sais pas si ça existe, mais il nous faudrait un plus gros saut là en fait. Saut double. Qui monte plus haut. Genre une ascension rapide. Oh mon dieu. Continue à faire le tour de la montagne juste au cas où. Je crois que j'entends le coffre. Ah non, enfin ça. Pardon, c'était pas un coffre, c'était l'ambroisie. Fouh, vache. C'est marrant, on dirait qu'il y a quelque chose là.
Oh, attends, tu vas pas me dire qu'il faut taper? Ça serait con quand même. M'étonnerait. Hein. Non, il faut faire un truc. Non, il faut un autre pouvoir, je pense. Ouais, je pense qu'il nous faut un autre pouvoir. Voilà, du coup, on va s'arrêter. Enfin, on a encore un peu le temps. Bon, ça, je... Allez, on va voir. On va voir si on peut faire le truc des flèches. Par contre, c'était où? C'était là-bas. Oh, putain, c'est loin. J'aime beaucoup l'enchaînement des... On dirait que les ailes, elles se brûlent en fait. C'est marrant quand on fonce. J'aime beaucoup l'enchaînement des... du gameplay en fait, genre avec... en planant, en s'accrochant, etc. etc. J'ai pas assez d'endurance. Hein. Faut une endurance de fou en fait. C'est débile. Attends, est-ce que je peux consommer des trucs? Oh, je peux consommer des potions et tout ça. Bon, ça marche. Attends, après celui-là, je vais où? C'est pas interagir. Quel héros offrira un peu de son temps pour trouver bouclier, vin et ruban? Ses offrandes lui assureront le repos. Il a tant combattu et enduré de maux. Le temps me manque, car le chemin m'appelle. Achève la tombe de ce pauvre mortel. Quelqu'un a gravé tout ça sur du bois? S'il avait passé moins de temps à faire des poèmes, il n'en serait pas là. Il aurait pu enterrer son ami. Phoenix va devoir fournir des rubans, du vin et un bouclier maintenant. Les héros étaient moins dissipés avant. Ils se concentraient. Oh, tu sais, le chemin le plus court ne va pas toujours d'alpha à bêta. Je sais pas si j'ai pris toutes les haches en fait. Je sais pas combien j'en ai en fait à prendre. Genre après là, j'ai l'impression qu'il m'en manque. Ah, celle-là. Je crois que je l'avais pas prise. Yes. Ok, on avait loupé un. Ok, ça n'a rien à voir avec les offrandes en fait. Ouais. Bon, ça va, on a appris du. On a appris qu'on pouvait utiliser les potions même en. En tirant les flèches là. Putain, encore des harpies super. Super abusées. Par contre, on a des bons coffres. On va faire ça.
Ah, les potions, elles commencent à être vraiment à être utiles, là, hein, putain. Les monstres qu'on se tape. Ça va, on régène. Nickel. Oh. Du vin, magnifique. Enfin quelque chose qui mérite un peu d'attention, n'est-ce pas? On dirait qu'il manque une chute là, genre y'a rien, y'a personne qui réagit à ces blagues. Hop. Oh, petit coffre, enfin un petit cube. Ok, petit cube. Nickel. Je veux pas passer. Après, on va devoir. Si vraiment il nous manque des potions et qu'on peut plus les refaire, il va falloir qu'on farm un peu des grenades et tout ça parce que c'est tellement important. Casque d'orgueil du géant à un œil. Cool, on a l'armure complète. Enfin, les deux parties. Dégâts aux ennemis uniques. Fais voir. Ça. Et c'était ça. Ouais, c'était ça. Ouais, c'est pas mal contre les boss, ça, en fait, je dirais. Ça, je sais toujours pas si c'est intéressant ou pas. Je dirais peut-être... De la défense en plus tout le temps. Et de l'attaque en plus tout le temps contre les monstres uniques, donc les boss. On peut se mettre ça. Quand on fait du... Enfin après moi j'aime bien ça, mais bon, c'est qu'il faut faire l'étourdissement. Là c'est 22, bon c'est la moitié quoi. Mais c'est tout le temps au moins. Faudra voir si ça marche exactement comme ce que je pense. Parce que ennemi unique ça peut être ou un ennemi seul ou alors un... Genre, peut-être qu'ils veulent dire des boss, quoi. Ok, on va aller là-bas. J'ai l'impression que cet endroit est un peu plus difficile que les autres. Ouais, non, les ennemis sont... les ennemis sont de haut niveau. On a plus que 2 potions de dégâts. 3 de soins. C'est pas bon signe. Même les coqs, ils ont l'air méchants, quoi.
on est bon. Ils m'ont fait peur, ces cons. Surtout le vénère, là, il m'a fait un peu peur. Qu'est-ce qu'il nous faut, ça? On a un gros caillou ici. C'est un coffre d'armes. Merde. Ok, nickel. Là, il faut quoi ? Est-ce qu'il y a une récompense là ? Ou il faut. Faut faire les flèches ? Mais merde, c'est pas assez lourd ? Ah, c'est pas assez lourd, ok. Cette vache me rappelle. Quelqu'un. C'est Yo, la nymphe avec laquelle tu as eu une liaison. Celle qu'Hera a transformée en génisse pour l'éloigner de toi. Qui était gardée par un géant, non ? Ça ne te dit rien. Plus ou moins. Avec le temps, on perd un peu le fil. Oh, 2400, ça lui a quasiment rien fait. Ouais, non, c'est peut-être un peu exagéré ce que je suis en train de faire là. Ok, ok, ça marche. C'est bon, ça ira. Allez. On fait pas cette île. Oh merde. J'ai pas de... On fait pas cette île. Quand je fais du 2400 et que ça enlève quasiment rien à l'ennemi, non, ça ira, je crois. Je crois que ça ira. On verra ça plus tard. Il y a un oiseau aussi qu'on doit sauver. On doit le réanimer. Mais après, bon, c'est un petit moment que je suis... J'ai un peu dérivé dans les quêtes secondaires. Alors. Tu as de l'électrum qui te brûle les poches ? Non, on n'en a pas. Il nous en faut 6, on n'a que 4. 2, il nous en faut 5. Attends, est-ce qu'on a fini des quêtes ? Non. On a 8. Alors, il s'en faut 7. Après, on peut faire en sorte que les potions remettent quand même plus de vie. Enfin, au moins qu'une potion nous remette full vie, parce que c'est vrai qu'elle nous remette plus full vie. Donc à la limite, ça serait bien que ça nous remette full vie. Déjà. Après, hop, hop. Oh la vache, comment ça descend vite. Ah ouais, non, il va falloir faire attention quand même. J'ai pas vraiment envie de passer mon temps à aller farmer des grenades et tout ça. Ça risque d'être un tout petit peu relou. Ah oui, non, on avait dit que... Attendez. Potion à 12. Ouais. Dis-moi que ça m'en a donné 12. Ah, c'est vrai que je l'ai pas vu cette animation. Ah putain, j'en ai que 10.
Non, mais de toute façon, c'est pas remettre à fond les potions, c'est en faire à... tant que j'ai des objets, en fait. Donc non, j'ai rien perdu. Je sais pas, dans ma tête, j'avais perdu des objets. J'imagine qu'il faudrait augmenter ça, qu'on ait un peu plus de défense et tout. Ça serait peut-être un meilleur moment. Qu'est-ce qui nous manque, là? 640. Allez. Peut-être ça aussi. On augmente ce qu'on peut, on va dire. Ça, les flèches, pour le moment, c'est pas vraiment important. Bien joué. Tu veux acheter ? J'ai des choses à vendre. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a bien augmenté. Je pense qu'on s'est très très bien débrouillé là. Après, on peut faire un troisième set avec alors déjà ça. Pour les boss, comme on avait dit, là, ça. 20% dégâts aux ennemis uniques. Et 33% en défense contre un ennemi unique. Donc on a de la défense et de l'attaque en plus tout le temps contre un boss, on va dire. Enfin, si c'est comme ça que ça fonctionne, encore une fois. On peut le mettre en vert. Voilà. Non, on va le garder avec la même couleur que le casque. Ça nous... Ouais, 7 boss. 7 combats contre plusieurs ennemis. Ouais. Avec le fait de booster notre attaque quand on fait d'étourdissement. Parce que quand il y a des petits, genre l'étourdissement en fait tombe souvent. Donc du coup on a un gros boost de dégâts. Donc on spam comme on avait fait à un moment. Et là c'est combat premier dégâts. Je dirais parmi les, on peut mettre ça. Parce que ça, ça nous permet de récupérer de l'énergie. Parce que quand on utilise les rochers, là on les prend et on les balance, ça nous bouffe pas mal d'énergie. Ouais. Je pense qu'on a un bon set de... Un bon set là. Attends, j'ai mis le mauvais arc. Voilà, 3 bons sets. Nickel. Nickelo. Sauvegarder. Et on est bon. Continuera la prochaine fois. Ça se passe bien. On a eu un peu des monstres un peu plus difficiles et tout ça. On a vu que, bon, il y a des trucs quand même qui sont graves, puissants. On a fait du 2400 et tout. Pourtant, on est bien OP, en fait, niveau potions et tout ça. Mais on a vu qu'il y avait encore des monstres extrêmement, extrêmement puissants plus tard. Donc ouais, ça nous pousse à devenir encore plus fort. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.